Et nous voilà à la maison des Bridlton. La météo n'est pas en notre faveur aujourd'hui, clairement. Ah, oh, ça donne pas envie de sortir, hein. Le foyer est endormi, sauf notre majordome qui se balade. J'ai déménagé la petite Abigail qui était dans la chambre de ses parents dans la nursery. Et donc la nursery, c'est là où était la petite Heather. C'est déjà prêt pour qu'elle puisse grandir en tant que nourrisson, etc. En tout cas, pour l'instant, bah, comme j'ai bloqué les âges, il faut que je la fasse grandir moi-même. D'ailleurs, je dois faire grandir Heather que je n'ai pas encore fait grandir. Comme vous pouvez le constater, Charles a rejoint sa famille royale. Bon, bah, j'ai dû un petit peu tricher, hein, mais tout va bien. Bon, nous, on est au max aussi, mais c'est-à-dire que si là, je fais un autre bébé, je pourrais plus relooker qui que ce soit. Ça va être compliqué. Donc, soit il faut qu'on marie quelqu'un d'autre avant de refaire un bébé qui grandit. Ou encore, à la limite, quand ils sont nourrissons ou bambins, c'est pas obligé le relooking, donc c'est ok. Mais faudra vite qu'on ait de la place dans la maison. J'ai le choix de faire partir Eleonore et Faith, qu'on la fasse grandir et partir, mais aussi qu'on fasse vieillir Lady Juliette, qui devienne une vraie mamie. Alors je sais que dans Bridgerton, elle est loin de partir, hein, mais peut-être que nous, ça nous libérerait une place et ce serait pas plus mal maintenant que Andrew reprendrait vraiment les rênes, donc chapelier fou là, chaperon pardon. Elle, bah, elle sera moins utile, à voir. Ah, bah, Face est déjà debout, la jolie Face, comment va-t-elle? Elle a sourire, tout va bien a priori. Rejointe par sa sœur Éléonore qui est visiblement effrayée par l'orage qui vient de s'arrêter. Maintenant c'est que de la pluie. Ce sera pas plus mal finalement, hein. Oh bah tiens, bah, toute la maisonnée se lève je crois. Eh, t'es vilain avec ta sœur, dis donc, tu peux t'excuser quand même. C'est pas cool, hein? Oh, bah dis donc, niveau 5 de la compétence étiquette pour Eleonore. Bah, je t'ai demandé d'écrire des lettres, en fait, à Joseph. Bon, bah, je suis un peu dégoûtée, ce que Joseph Parker, là, justement, lui, il est marié, en fait. Donc, pour Eleonore, c'est un peu râpé du cul. Et 12146 du domaine de Bridlton, c'est bon, ça? Commence à être pété de thunasse. Bon, alors, Andrew, va falloir quand même réviser sa barbouze. Hein. Je dis pas qu'il faut pas que t'en aies. Mais celle-ci te vieillit quand même prématurément. Bébé Abigail qui pleure! Est-ce que quelqu'un va venir s'en occuper? On ne sait pas trop. Je vais peut-être appeler la nounou. Comment tu vas en colère vers mon enfant? Je suis pas sûre que je veuille que tu t'en occupes, hein? Espèce de vilaine madame. Ouais, bah elle pleure tout le temps, la petite, hein, par contre. Nounou devrait pas tarder à arriver. Sinon, comment vont mes grands ados? Oh là là! Oh là là! Ça se chamaille, là! Mais il faut qu'ils s'arrêtent tous les deux, là! C'est quoi ces délires, là? Qu'est-ce que c'est que ces mauvaises graines? Bon, alors, bah oui, c'est vrai que lui, il a plus de devoirs à faire. Et je te jure, hein, et mec, d'ailleurs, t'étais pas... Tu vas aller apprendre à jouer, là, parce que t'étais devenu, je sais plus, là. T'es dans le club de théâtre ou je sais pas quoi, là. Donc, tu vas travailler ça. Hein. Ça va t'occuper. Et comment vont les amoureux? En pleine floraison? Hein, Andrew? Punaise, Abigail, elle est en train de taper une crise de malade, parce que depuis tout à l'heure, j'entends hurler. La nounou n'arrive pas à la calmer, c'est un truc de fou. Eh, elle est colérique, la petite, hein. Mais donne-lui à bouffer si elle a faim! Mais au secours, mon enfant, il pleure encore alors que personne s'en occupe, quoi. Mais il y a majordome plus nounou. Et tout le monde s'en balègue de mon bébé. Un petit peu de piano pour Amalia. Elle a encore des progrès à faire, hein. Clairement, là, on est... Ouais, ça va, niveau 3, presque 4. Mais la petite continue de chialer, mais c'est un enfer, par contre, là. Lady Bridlton, venez. À mon avis, on va s'en occuper nous-mêmes. Hein. Alors, est-ce qu'avec le bibi... Ah oui, bah elle avait très faim! Non mais sérieusement, personne qui la nourrissait? Pauvre gosse. Voilà, maintenant la pépette est calmée. Merci Lady Juliette, c'était très gentil de vous en occuper. Vous avez l'expérience que les autres n'ont pas. Genre, j'ai invité Mildred, alors je l'ai relookée, hein, parce que bon, elle était pas du tout dans le délire de l'époque, là, donc il l'a invité. Il lui raconte un peu des bêtises. Et puis, on a invité d'autres personnes aussi pour passer. Oh là 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 là, attendez, mais là, Andrew, il va se faire draguer par celui en face, là? Mais non? J'espère pas, non, mais... Ils ont quoi, ces Sims, à faire n'importe quoi, à un moment donné? Ça va pas être possible? Nani? Et lui, il dit oui, en plus! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais le déshonneur sur la famille, mais Andrew, mais... T'as une femme? C'est pas possible, j'en ai marre. Heureusement, elle a rien vu, Malia. Il y a juste elle qui est contente, mais peut-être qu'elle s'est réjouie des portraits aussi. Hein. D'ailleurs, il faudra qu'on rajoute Bryce. Hein. Voilà, on a mis fin à un truc amoureux et c'est tant mieux comme ça. Ça commence à bien faire ces histoires. Hein. Alors que notre petit George a eu un coup de cœur pour Mildred. Tu m'étonnes, elle est jolie, Milou. Hein. Milly, pas Milou. Oh, premier baiser carrément, là. Ah oui, bah dis donc, bah, vous avez flirté en fait.
Ah, Betty, ça commence. Ah, on a invité Alex Welton, mais clairement, il est très très énervé. Bichette, je sais pas ce qu'il a. Bon, ma petite Heather, va peut-être falloir qu'on fasse ton anniversaire avant la journée de demain. C'est la journée de demain. Ok. on va passer chez Bryce. Ben, on va passer chez les enfants qui sont mariés et leur petite famille. Et comme Bryce était le premier à se marier, ben, on va passer chez Bryce. Un peu tard, mais pas encore trop tard. On prépare le gâteau pour la petite Face. Heather, pardon. Qui va devenir une ado, du coup. On a hâte. Yes, le gâteau est prêt. Le gâteau est prêt. On va mettre les bougies. Allez, Lady Juliette, mets les bougies. Parce que là, très cher. Voilà, merveilleux. Je vais pouvoir vous libérer de la... de la cuisine. Et puis on va arriver à l'anniversaire, quoi. Il est déjà minuit. Ah non, mais j'ai pas vu de temps passer, en fait. Bah, let's go, en fait. Tu vas souffler tes bougies. Et puis on va ramener tout le monde ici. Happy birthday, Heather. Tout le monde n'est pas là. C'est trop tard pour l'heure. Mais c'est pas grave. Mais Heather, c'est pas grave. Elle va devenir une ado quand même. Happy birthday, ma douce. Alors, pour son aspiration, on va lui choisir un truc un peu nature ou famille. C'est une fille, elle va faire à la famille. C'est un peu cliché, mais c'est comme ça que ça se fonctionne. Et bien élevé, son deuxième trait sera 1, 2, 3. Créative, pourquoi pas? Allez, Heather créative. Ok, baby, la petite dernière est devenue adolescente. Regardez-moi ça. Des beaux yeux, un joli teint, des beaux cheveux. C'est la seule qui a cette couleur de cheveux-là. Un peu moins foncée que les autres. Et elle est magnifique. Par contre, ta tenue, elle est pas vraiment adaptée. Oh, la petite est devenue grande. Ça fait bizarre. En fait, tout le monde était en train de mourir de faim, mais personne n'avait remis à manger. Donc, let's go, là, tout le monde va bouffer. Et Lady Juliette, vous pouvez vous relever, s'il vous plaît, et manger. Je sais que dans cette série, je sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à gérer le temps. Ah, les invités, ça part seulement maintenant. Bah, 1h40, il était temps, ouais, tu m'étonnes. De toute façon, vous découvrirez la petite Heather relookée, bien sûr, dans le thème Bridleton, très bientôt. D'ailleurs, je suis en train de me dire... On va faire grandir la petite aussi. Donc, on va réquisitionner Amalia qui a envie de faire des mamours à son mari. Et tu vas faire changer d'âge ta petite fille. Voir à quoi elle ressemble déjà. Et parce que c'est l'heure, on a envie de savoir si elle sera rouquine comme maman ou brun comme papa. Ou brune comme papa, évidemment. Allez! Oh, et ben, elle sera brune comme papa! Yes! Une petite brunette. Magnifique. Youpi! Abigail a grandi. Elle sera 1, 2, 3 bleus. Oh, la petite biche. Trop belle. Je suis sûre qu'elle est trop belle. Elle avait les yeux de vert de maman, je crois. Oh, un petit ton. Je trouve qu'elle ressemble fort à son père. Comme ça, j'ai l'impression de voir Andrew. Elle est trop mimes. Voilà, Amalia a mis au lit sa petite fille. Ben, tu vas pouvoir rejoindre ton mari. Hein? D'ailleurs, est-ce que vous en ferez pas un nouveau? Non, en fait, j'ai envie de dire oui, en fait, non, parce que comme après, ils vont être beaucoup, ça va faire bugger. Enfin, tant que l'enfant ne naît pas, je peux relooker. Mais en vrai, ouais, non, on va juste dormir, en vrai. On verra ça la prochaine fois quand j'aurai relooké Heather. Andrew, pourquoi tu te couches pas? Vous voulez faire un truc? D'accord, j'ai compris. Bon, vous allez faire crac-crac. Juste un crac-crac sans bébé, ce sera pas mal. Sans motivé et amoureux, à l'abri des regards. Et c'est parti. Voilà, on va les laisser s'amuser. Et nous? Eh ben, on va retrouver Bryce, Sarah et leur petite Barbara et la petite famille, quoi. Et nous voilà chez Bryce, que nous voyons ici, et Sarah. Ouais. Mais qu'est-ce que t'arrives, toi? Bombe de colère. Essaye de se calmer. Mais pourquoi t'es en colère, mais bichette? Oh là là, en colère, parents indésirables. En contre nous, frère et nouvelle sœur. Ah, elle a eu un petit frère. Mais tu es où, bichette? Barbara, ah bah oui, elle est là. Et le bébé, il est là. Ok, Edward. Bah quoi, t'es pas contente, biche? Alors, sachez que, bah déjà, je me rends compte qu'effectivement, le père de Sarah n'est plus là. Je sais pas où il est. Mais moi, j'ai retapé un peu la maison pour qu'elle soit un peu plus d'époque et tout. Et du coup, il y a la chambre ici qu'on avait revue, déjà que j'avais retouché un petit peu avec la petite nursery. Mais ici, j'ai retouché un peu plus d'époque, donc il y a un lit de place, il y a deux lits, une place pour les enfants. Oh, c'est vrai qu'il y a le chat. J'ai revu également le salon, la salle à manger, tout ça. C'est un peu plus d'époque, hein. Il n'y a pas de télé déjà, c'est déjà ça. Mais ouais, son père n'est plus là, je sais pas s'il est dead ou pas. Oui, non, il est là, mais il s'est marié avec un homme. Non mais par contre, j'ai rien contre ça, mais c'est un peu bizarre quand même.
Parce que Bryce, il y a hors de question que tu claques d'un truc à cause de tes émotions de merde. Hein. Que je sais pas pourquoi t'es en colère, mais que t'es en colère. Aïe, 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 je vous jure. Bon, j'ai bougé le petit garçon dans la chambre des parents. Elle, elle est sa petite nurserie pour elle toute seule. Mais tu devrais être grande, toi, non? Tu devrais pas être enfant? J'avoue que je ne sais pas. Ah non, logiquement, elle vient juste de devenir bambine. Ah, c'est en train de se calmer. C'est pas plus mal. Sarah a fait à manger parce que ben, il y a du monde qui a faim. Hein, elle est pas toute seule. Et la petite, je pense pas qu'elle puisse descendre. Hein, je pense pas qu'elle ait les compétences pour. Regarde, Acha, c'est Gribouille. Coucou, Gribouille. Non, elle peut pas descendre. Gribouille qui va squatter ton lit d'ailleurs, meuf. Petite Barbara. Trop mimes. Bon, tu t'es calmée? Mais pourquoi tu... Arrête de t'effondrer. Écoute, va manger. Ça te fera du bien. Tu sais qu'il est la pleine nuit là et que c'est pas ouf. Hein. Arrête! Bryce! Ouais, oh, dis, il est coincé. Alors. Et puis toi, tu vas aller servir ta petite parce que je crois qu'à la fin. Voilà, prends une portion pour Barbara. Parce qu'elle est là-haut et elle se fait dessus et tout. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Voilà, il fallait qu'il mange le petit Bryce pour qu'il se calme. Ah, ils sont rentrés dans la garderie. Ben, il a été temps. Parce qu'ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. C'est n'importe quoi, ce jeu. De toute façon, je vais mettre tout ce monde au lit parce qu'il est quand même 7h30 du matin. Il y en a certains qui sont fatigués quand même. Oh non, la petite, elle pleure parce qu'elle voit sa mère qui fait un câlin à son petit frère. C'est affreux. Tu vas la calmer, ouais. Tu vas la calmer gentiment. Hein. Tu vas pas aller la foutre dans le mur parce que bon, ça au moins ça la calme. Mais bon, c'est pas ce qu'on demande. Tu vas l'enlacer. Faudrait qu'on lui explique que c'est pas parce qu'elle a un petit frère qu'on va moins l'aimer. C'est juste que comme c'est une fille, eh ben, elle servira à rien pour la société. Chat. Ah mais du coup, il y a un chat et le chat, il a pas de litière. Il va gueuler. Oh merde, je suis obligée de lui donner. Oh tabarnak. Sarah va se coucher un petit peu. C'est la moins fatiguée. Confidence de Lazy Whistledown. Ah, enfin quelque chose d'un peu de croustillant dans l'aventure. En espérant que ce soit plus sympa que la dernière fois. Hein. Qu'il s'agisse de honte ou de calomnie, de séduction ou de diffamation, il n'y a qu'une chose qui humilie les membres les plus estimés de notre société, un scandale. Ouh là là! Eh bien, cher lecteur, il semblerait que le nom de Mademoiselle Eleanor Middleton a été traîné dans la boue. Dans un moment de passion avec Monsieur Alex Weston, Mademoiselle Eleanor Middleton semble avoir oublié son éducation. Pardon. Espérons que ce badinage soit suivi d'une licence spéciale et d'un mariage rapide. La mode sensible de Mademoiselle Faith Bridleton fait parler d'elle. Des conceptions fraîches et des coupes flatteuses. Je me demande qui est sa modiste. Bah faut savoir, la dernière fois tu as dit que Faith s'habillait super mal. Ben, elle a pas changé de fringue en fait entre temps. Elle est dit Whistledown, t'as fumé la moquette. Bon, bah Eleanor, va falloir qu'on parle. Et petit Edward se réveille. Il a sûrement faim. Tout ça. D'ailleurs, on va te changer. On va te mettre en rose, tiens, pour faire rager un peu les bons bien pensants. Et on va lui donner aussi à manger. On va le nourrir. On va l'allaiter. En vrai, il est 11h du matin. On va rester comme ça. Tu vas aller faire un petit footing, mon petit Bryce, pour le petit dé. Pour le petit dé. J'ai l'impression que t'as pris un petit peu du gras. Donc pour le chat, je vais installer une litière. De toute façon, il n'y a pas le choix, hein, parce qu'il n'y a rien qui fait époque hein, pour les litières. Donc une litière, une gamelle ici. Il est au taquet, le chat. Même pas besoin de l'appeler. Mais c'est... Mais pourquoi t'as peur? C'est ton truc à croquettes. T'es con ou quoi, comme chat? Ah, mais attends, c'est son père qui est là. Bonsoir, papa. Comment ça va? Après, ce qui est cool, c'est qu'on peut se dire qu'il a laissé sa maison pour que sa fille puisse vivre avec son mari, en fait. Moi, je trouve ça bien, en fait, qu'il ait déménagé. Bon, qu'il se soit marié avec un mec, je pense pas qu'à l'époque c'était accepté ni possible, mais bon, c'est pas grave. Mais n'importe quoi, en fait, parce que Bryce, c'est comme s'il connaissait pas son père alors qu'ils ont vécu ensemble. Mais c'est complètement débile. Bon, après, au moins, dès qu'ils se présentent, ils ont déjà une bonne barre d'amitié, donc c'est cool. Effectivement, c'est complètement idiot. On va pas se cacher. C'est stupide. D'ailleurs, tu vas lui donner les clés de la maison. Ça reste quand même sa maison qu'il vous a offert. Bon, vous avez fait quelques travaux pour améliorer. Pour mettre à votre goût. Voilà, ça, il pourra venir quand il veut. Ah ben, ils ont l'air d'être toujours amoureux. Hein. D'ailleurs, t'es pas enceinte quand même, toi. Je pense pas. Hein. On dirait que ça lui fait un petit bidou quand même à la robe. Mais je pense qu'elle est pas enceinte pour le coup. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, là? Il a piégé nos chiottes. Oh, mon Dieu. Mais quoi? Le chat, il va aller dehors? Bah, y a moyen, hein. Tu ouvres la porte, mon gars. Comment ça t'aime pas, Bryce? Oui, bah, t'as pas besoin de monter sur les plans ouais, les plans de travail, tu montes pas dessus, sale chat, va. S'en fout que tu nous aides pas. C'est pas ça qui va nous...
nous calmer, nous assagir, je te le dis, moi. Bon, par contre, que t'aies des manières aussi séductives en face de ton père, je trouve ça un peu chelou quand même, Sarah. Je veux pas te le cacher, c'est bizarre. Ça dort bien par ici, hein? Ça se passe bien, les enfants. Aïe, 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 la petite se réveille complètement énergique. Ça va douiller, les parents, ils vont souffrir, hein? Petite Barbara est réveillée, on va essayer de la faire travailler un petit peu ses skills en matière de... Bah pour qu'elle puisse descendre les escaliers, quoi, qu'elle devienne un petit peu autonome, la biche, parce que bon... Elle est bien mignonne, bien gentille, mais faut grandir, ma bibiche, hein. Pas ce que t'as fait, Bryce, mais il a fallu que tu t'excuses. Vous êtes dingues, hein, tous les deux. Voilà, vous pouvez vous faire des bisous, exprimer votre dévotion. Ah, c'est vrai que j'ai oublié que papy était là. Barbara peut pas aller le voir, si elle est trop petite, elle marche pas assez bien encore. Le skills en marche, c'est pas ouf, hein. Bah c'est des PNJ, c'est devenu des PNJ, donc je suis obligée de les faire travailler, hein. Petit Edward s'est réveillé, maman s'en occupe. Ah la bichette, d'accord là maman. En ce temps-là, Bryce se gave avec sa tortilla. Bah t'as pas grand-chose à faire. D'ailleurs, on pourrait te faire travailler, Bryce, je pense. En vrai, on va te jeter une commission d'officier. Tu pourras officier. Pour avoir un emploi, peut-être un peu comme Charles qui l'a, ça pourrait être sympa. Et on va le lancer dans une carrière, comme ça il ramènera de Boostify à la maison. On va le lancer peut-être dans l'officier de l'armée. 7h-15h, allez, let's go. Voilà, t'as enfin du taf, mon petit. 5 niveaux fitness et 2 de logique. Ok, et bah écoute, tu vas courir parce que ben il faut travailler ton fitness, comme ça tu te maintiendras en forme. Oh, bah regardez qui vient. C'est belle maman, c'est Lady Juliette qui vient, c'est cool, ça fait plaisir. Finalement, je les joue pas, mais ils viennent quand même nous voir. Attendez, hein, Lady Juliette, Sarah arrive. Elle fait le ménage, vu que votre fils a préféré aller courir pour s'entraîner au travail. Oh, bonsoir, belle maman, comment allez-vous, très chère? Vous avez l'air en forme, incroyable. Il pleut ou il y a une fuite? Non, non, c'est juste que c'est la flotte, ok. Eh ben, bienvenue à la maison. Très cher, attendez. Ah oui, faut qu'elle aille voir le chat. Oui, mais vous pouvez monter, hein. Nous avons 2 enfants maintenant. Nous avons un petit-fils que vous ne connaissez pas, Lady Juliette. Oh là 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 là, Barbara. Oh là là, Barbara. Barbara, tu vas passer un très très mauvais quart d'heure, croyez-moi, très cher. Discipliné, sévère, hurlé. Let's go. Non mais dis donc, tu es une sale petite connasse. Franchement, tu fais honte à notre famille. Ah mais Bryce, t'es revenu. Et tu continues ton point de croix, mais t'es un accro. Est-ce que t'as vu que ta maman était là quand même ou pas? Elle est là, maman. Tu vas la voir après. Regardez, Lady Juliette, notre grand petit enfant. Votre deuxième petit fils. Bah, votre non, parce qu'on avait Archibald du côté de d'Arla, donc c'est pas le premier petit-fils. Mais bon. Oh, mamie! Mes parents sont méchants avec moi. Fais-moi un câlin, mamie. Oh, trop mignonne. Trop bien. Oh, mère, que faites-vous? Vous faites la merde ici et vous ramassez pas les couches de ma fille? Mais comment c'est possible? Ah, la petite, elle se plaint. Mamie, emmenez-moi. Ah, oh, bref, je ne sais plus parler. Emmenez-moi donc chez vous. Je serai mieux traitée que dans cette infâme maison. Cette petite baraque pourrie qui sent la banane moisie. Ah, bon, Bryce, est-ce que ça te dit de t'occuper de ton petit garçon qui s'est chié dessus pendant que maman fait à manger? Ça pourrait être bien. Regardez-moi ces Briddleton avec tous ses enfants dans les bras. Oh là là. 3 générations. Magnifique. Oh, c'est trop mignon. On a profité, Barbara, d'aller sa grand-mère. Elle va demander à sa grand-mère de l'aider pour aller au pot. Ça pourrait être bien, hein. Regarde, maman, tu as vu ton petit-fils? C'est mon rejeton. Et ouais, il est comme ça. Oh, il est beau, ton fils, mon amour de Bryce. Et oui, Lady Juliette, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça. Si un jour, vous l'avez vraiment fait. Éduquez vos enfants, hein. Et pas refiler ça au majordome ou à la nounou. Ben là, c'est votre petite fille que vous allez éduquer. C'est beau. Oui, bravo, Barbara. Nickel. C'est bien. Merci, mamie, d'être venue. Attends, mais ils sont partis se coucher? Ah bah, il est presque minuit, tu me diras. Donc, ouais. Par contre, la petite... Je crois que j'ai fait à manger, mais elle me dit qu'elle ne peut pas aller chercher. Elle est de corps. Ah non, le truc, il a cassé. Oh là là. Mais c'est n'importe quoi. Le chat va faire caca. Et la petite Barbara, enfin, la petite Barbara ne peut pas descendre les escaliers. Pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles à ton petit frère? Mais il fait dodo. Laisse-le tranquille. Et ben voilà, elle l'a réveillé. Bon, après, elle est presque au niveau 2 pour aller... pour descendre les escaliers. Donc, elle pourra après se mouvoir toute seule comme une grande...
Bon, ben maman, t'es bonne pour voilà, t'occuper de ton petit garçon. Nickel. Bon, Lady Juliette est partie? Ouais, je l'ai même pas vue partir, dis donc, elle s'est évaporée. Puis de toute façon, vu que Bryce doit se coucher tôt, parce que maintenant il a un taf, c'est pas plus mal. Allez, Edward, retourne donc au lit, mon petit. Pendant que Sarah débarrasse un peu le truc, Barbara peut descendre les escaliers. Elle n'y est pas encore, hein, ça fait 1 heure qu'elle elle a fait juste traverser la chambre. Punaise, 2 étages. L'enfer. Pourquoi j'ai installé la nurserie là-haut? Pourquoi? Ah, je suis un peu bête aussi. Bon, je lui ai facilité la tâche, je lui ai mis le plat ici. Comme ça, elle pourra manger et retourner se coucher. Comment ça va, Gribouille? Un petit câlin, Gribouille, qui a perdu sa queue et un bout de ses oreilles. Ah, d'accord, maintenant elle a peur du noir, Sarah, bien sûr, c'est logique. C'est normal. Allez, ma petite, il va être l'heure pour toi d'aller te coucher, ma petite Barbara. Et Barbara va se coucher. Bonne nuit, ma douce. Et pendant ce temps-là, ben, la petite famille Bridelton s'en est allée se coucher dans la douce nuit de Brightchester. Et on les retrouvera à l'occasion. En tout cas, on retrouvera aussi nos Bridleton préférés dès la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait gonfler le nombre d'abonnés et ainsi que mon ego à la place de mon gros fessier. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.